Avant le Beaujolais nouveau, il y avait ce qu'on appelle les Beaujolais primeurs ou les Beaujolais sous le pressoir. C'est une partie des récoltes qui était réservée à la consommation lyonnaise et parisienne. Et c'était un vin qui était, comme le nouveau, c'était affiné très très rapidement. Et c'était affiné pendant le trajet même, entre le Beaujolais et Lyon ou entre le Beaujolais et Paris. Et ça passait par les fleuves. Et du coup, il y avait une tradition autour de la descente des tonneaux par le cours d'eau et la consommation lorsque le tonneau était déchargé. Et c'était l'idée, c'était de faire revivre un peu ce truc-là.